Madame, monsieur, bonjour. Excellente semaine à l'écoute de nos programmes. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes heureux en tout cas de vous retrouver en ce début de semaine sur Alger Chaîne 3 avec, comme d'habitude, Hakim Ben Moussa à la réalisation et Nahla Bekralas au micro dans votre espace, votre émission, ça vous concerne. On est le dimanche 27 octobre 2024. Comme vous le savez, vous le ressentez sans doute, l'hiver approche à grands pas. Des journées pluviales et froides nous attendent. Chanceux sont celles et ceux qui rejoignent leur foyer à la fin de chaque journée. Chanceux, oui, je le dis, parce que ce petit bonheur du quotidien n'est pas à la portée de tous. Des personnes dans le besoin, sans domicile, passent ces journées hivernales sous la pluie et dans le froid. C'est à ces personnes que nous pensons aujourd'hui dans votre émission, votre espace, ça vous concerne. Quelle aide leur réserve-t-on? Quel est le programme du mouvement associatif et puis du Croissant Rouge algérien? Nous questionnons nos invités pour y répondre. Madame Emel Abbas du Croissant Rouge algérien, nous aurons en ligne avec nous dans quelques instants Madame Amina Boumahour du groupe Nesl Khair. Ça vous concerne, revient juste après cette petite respiration musicale. Il est 10h09 sur Alger Chaîne 3. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans votre émission, votre espace, ça vous concerne. Vous pouvez nous contacter au 021 48 15 15 si vous souhaitez réagir à notre sujet ce matin. Je souhaite la bienvenue aussi à Madame Emel Abbas du Croissant Rouge algérien qui vient nous éclairer sur ce sujet très important. Vu que l'hiver est à nos portes, beaucoup de personnes sont à la rue, sont à l'extérieur et n'ont pas de domicile fixe où passer cet hiver. Et heureusement, il y a des associations de bénévoles et il y a le Croissant Rouge algérien pour leur apporter aide et assistance. Bienvenue à Madame Emel Abbas. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la Radio Chaîne 3. C'est nous qui vous remercions d'être parmi nous ce matin. Alors d'abord, tout d'abord, l'action, on voudrait savoir l'action qui est menée aujourd'hui par le Croissant Rouge algérien en cette période. Est-ce qu'elle a été préparée? Est-ce qu'elle est prête pour être entérinée sur le terrain? Merci pour cette question. Alors cette année, le Croissant Rouge algérien poursuit avec ambition sa campagne hivernale sous le slogan « Chitet d'Afé, hiver chaud ». Afin d'offrir un soutien direct et essentiel aux populations les plus exposées aux rigueurs de l'hiver. Donc cette année, l'une des initiatives centrales du Croissant Rouge, c'est la distribution quotidienne des repas chauds. Des repas sont préparés dans des centres et des cuisines du Croissant Rouge. Ces repas sont ensuite acheminés aux familles dans le besoin. Donc on a un centre un peu partout en Algérie, dans toutes les wilayas. Ici à Alger, on a un centre à Draria. Donc vous couvrez l'ensemble du territoire national, exactement, c'est bien ça? Oui. Les 58 wilayas ou les 48 auparavant? Les 58 actuellement. Très bien, très bien. Je disais que les repas sont acheminés aux familles dans le besoin, aux personnes sans abri, bien sûr en collaboration avec, nos volontaires et avec les partenaires locaux, à savoir la direction des actions sociales, l'ADAS. Donc, et aussi, on vise un maximum des personnes sans domicile fixe. Aussi, on prévoit la distribution régulière de couvertures, des vêtements chauds et pour les personnes vulnérables et dans les régions isolées et reculées. Et aussi, une attention particulière est accordée aux personnes sans domicile fixe, comme je disais, qui constituent l'une des catégories les plus exposées aux rigueurs de l'hiver. Les plus vulnérables, on exactement. Peut dire ça. Oui. Donc, nos volontaires du CRA ont pour mission d'identifier ces personnes, de les repérer, donc, afin de leur soutenir et de leur apporter une aide continue. Donc, ces personnes-là sont identifiées. Est-ce que c'est un fichier? Est-ce que c'est des personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler chaque hiver et ça revient? Comment ça se passe au niveau de l'action en elle-même sur le terrain? En fait, c'est les deux. On a déjà un autre fichier des personnes en situation de vulnérabilité. C'est des personnes qui sont inscrites au niveau de l'ADAS Via notre plateforme. Très bien. www.cra.com. Nous avons
un espace dédié à l'inscription des personnes en situation de vulnérabilité, donc sous l'espace, en fait... Il y a un anglais oui. Exactement, qui s'appelle Espace bénéficiaire et un autre pour les orphelins. Donc ça nous a permis de repérer et identifier ces personnes et pour leur apporter un soutien ciblé, plus ciblé. Et aussi par les sorties nocturnes pour, dans les endroits où les personnes en situation de vulnérabilité et les SDF fréquentent le plus. Alors justement, en revenant à cela, quelles sont les catégories que vous ciblez? Vous avez parlé tout à l'heure des sans-domicile fixe et peut-être les personnes qui sont le plus vulnérables pendant cette période parce qu'elles n'ont pas où aller et parfois elles refusent même peut-être l'aide des centres d'accueil qui sont ouverts un peu partout sur le territoire national. Alors quelles sont les catégories ciblées par le Croissant-Rouge algérien? Alors plus exactement, nous avons les personnes sans-abri. Donc, c'est les SDF, c'est des personnes qui n'ont pas un domicile fixe à travers nos sorties nocturnes. On a les personnes, les familles qui vivent une situation de précarité. Et aussi, nous avons les nomades aussi dans le sud algérien et les personnes dans des zones isolées où les services, ils ont mal à accès aux services. Voilà. Très bien. Pour les sans domicile fixe, est-ce que c'est un nombre qui augmente? Est-ce que c'est des personnes qui arrivent par la suite au cours de l'année d'avoir un domicile assuré par la DAS ou être accueillis dans un centre d'accueil d'une manière continue? Est-ce que c'est des personnes qui reviennent chaque fois dans votre prise en charge ou non? Généralement, oui. Mais aussi, à chaque année, on compte maximiser notre couverture. Donc, on prévoit encore toucher plus de personnes. Des fois, c'est les mêmes personnes, oui. Et d'autres fois, on essaye de toucher plus de personnes sans abri. L'année passée, on a pratiquement distribué 1 500 repas par jour sur tout le territoire national. Cette année, on prévoit encore aller plus, donc couvrir plus de personnes. Voilà. Très bien. Très bien. Nous allons évidemment poursuivre ce débat autour donc, de ces personnes dans le besoin, ces sans domicile fixe à l'approche de cette saison hivernale. Et nous avons en ligne avec nous Madame Amina Boumaour du groupe caritatif Nas El Khair. Bonjour Madame, merci de nous accorder de votre temps. Merci Madame, bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Alors dites-nous Madame, quels sont aujourd'hui, quel est le programme que vous déployez sur le terrain pour justement apporter aide et assistance à ces catégories de la population? Merci beaucoup, donc le groupe Nas El Khair Algérie qui est actif depuis 2010, donc organise chaque hiver une opération qu'on appelle un hiver au chaud. Donc c'est pour permettre aux personnes qui sont nécessiteuses et aussi les sans-abri de passer un hiver au chaud et d'essayer de les soulager de la dureté de cette saison. Donc les actions phares que nous organisons, c'est déjà les repas chauds pour les SDF. Donc on fait ça tout au long de la saison hivernale où on distribue des repas chauds et même des fois donc des couvertures, des sacs de couchage, des vêtements chauds à ces personnes sans-abri au niveau de la wilaya d'Alger. Et aussi, nous organisons donc des caravanes pour les villages qui sont isolés, qui sont lointains des autres wilayas, qui sont connus par un froid rude. Donc, lors de ces caravanes, on emmène avec nous aussi tout ce qui permet à ces familles qui vivent vraiment des fois dans des conditions très, très, très difficiles. Donc, tout ce qui est couverture, vêtements chauds, manteaux, donc des chauffages, donc des produits alimentaires, donc du ravitaillement, oui. Pour essayer de les soulager durant cette saison hivernale. Alors, comment se fait l'identification justement de ces personnes qui sont dans le besoin? Est-ce que c'est des sorties quotidiennes que vous effectuez sur le terrain et qui vous permettent de savoir qui est ou qui a besoin d'une aide? Ou est-ce que vous travaillez avec d'autres associations, avec les collectivités locales? Comment ça se passe? Oui. En fait, comme je vous ai dit, c'est un programme qu'on organise depuis 2010, donc c'est la 14e année déjà, donc on a acquis de l'expérience dans ça. Donc par rapport aux personnes sans-abri, on travaille étroitement avec le Wadi d'Alger, donc chaque année c'est la wilaya d'Alger et c'est la commune aussi d'Alger Centre et les autres communes donc, qui sont concernées.
Donc il y a des sorties donc, de repérage qui sont faites par nos membres par rapport aux SDF, donc pour connaître quels sont les quartiers où les SDF donc, s'installent, où il y a des concentrations, si on peut dire ça comme ça, donc de ces personnes sans abri, comme ça, donc on saura, quand les repas sont prêts, on saura où aller les distribuer. Et concernant aussi les villages, donc on va dans des wilayas, donc il y a eu des caravanes au sud, il y a eu des caravanes pour les wilayas de Indefla, de Ndia. Donc il y a les wilayas aussi, il y a des membres qui connaissent des personnes qui sont, il y a des associations sur place, ou bien il y a des personnes qui nous contactent, voilà, qui nous envoient des photos, des vidéos. Et aussi il y a des visites qui se font avant pour faire une liste de besoins, donc les nombres de familles, le nombre d'enfants, etc. Ou bien il y a les associations qui sont sur place qui nous envoient ça, et il y a nos membres qui se déplacent aussi pour voir la situation sur les lieux et établir les listes en conséquence. Et par la suite, on a établi donc une liste des besoins qu'on publie sur les réseaux sociaux. Et les bénévoles, donc c'est les bénévoles qui sont vraiment, nous sommes 15 unions, oui. Et c'est les bénévoles qui contribuent chacun avec ce qu'il peut, avec des dons pour permettre d'acheminer ces aides à ces personnes. Alors, comment le contact est établi sur le terrain avec ces personnes? Est-ce que ce contact est facile? Est-ce que par l'habitude, donc, vous avez tissé des liens avec ces personnes peut-être qui reviennent et qui sont chaque hiver se retrouvent dans la même situation de précarité? Le contact n'est pas toujours facile puisque, comme vous le savez, il y a certaines personnes donc qui vivent dans des conditions très 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 particulières. Donc vraiment souvent le contact n'est pas facile, mais vu que la cause est noble et qu'on est vraiment là pour les aider, donc et avec le temps aussi nos membres ont vraiment en quelque sorte appris comment gérer ces situations-là, mais il y a certaines personnes après même ces personnes-là donc sans abri, elles s'organisent, donc on essaye de les impliquer, de voir avec une personne, de dire essayez de vous organiser pour que la distribution se passe dans les meilleures conditions, etc. Donc c'est pas toujours facile, mais donc eux-mêmes deviennent acteurs et vous êtes dans cette action. Oui, on essaye de les impliquer, donc ils sont sensibilisés sur place, disant que est-ce que vous pouvez vous organiser pour que la distribution se passe dans les meilleures conditions, on est là pour vous, on est là, donc tout le monde aura sa part, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, etc. Donc on essaie de les rassurer, de gagner leur confiance. Après chaque année, ils nous connaissent, il y a des personnes qu'on retrouve chaque année, malheureusement. Oui. Et donc après tout ce temps, ça devient un petit peu une habitude, mais c'est pas toujours sans surprise et ça se passe pas toujours de la même façon. Mais alhamdoulilah, ça finit toujours par c'est tout le monde qui a sa part, et on essaye de noter aussi. Des fois, ils ont des besoins particuliers, on prend note et on essaye de les leur acheminer dont ils ont besoin lors de la prochaine sortie. Alors, Madame Boumaour, vous avez dit à l'instant que c'est des personnes que vous connaissez, que vous avez donc l'habitude de travailler avec eux. Est-ce que vous êtes allé plus loin, hormis la distribution, cette période hivernale où l'action est forte, l'action de mobilisation est forte, est-ce qu'il y a une aide après donc cette saison pour placer ces personnes, pour tenter de leur trouver un espace plus sûr pour eux? Il y a eu même des visites on a même organisé des actions au niveau des centres d'accueil de ces personnes-là, au niveau du SAMU, donc il y a eu des actions, mais malheureusement la majorité de ces personnes ne veulent pas quitter la rue pour des raisons diverses. Oui. Donc pour les personnes qui veulent changer de situation, bien sûr, on est là. En fait, c'est même par rapport à toutes les familles dans le besoin. Parce que même lors de l'hiver, en fait, on a des familles qu'on aide tout au long de l'année. Des orphelins, des personnes, des familles démunies. Donc, l'action humanitaire, elle continue toute l'année. Même en hiver, on continue. Elle n'est pas conjoncturelle, oui. Non, du tout. Donc, même pour les familles, on essaie toujours, en fait, de trouver par exemple une femme, de lui dire qu'est-ce que vous connaissez faire, est-ce qu'on peut vous aider avec une machine à couture, avec quelque chose pour la cuisine, si vous pouvez cuisiner des choses et les vendre. En fait, on essaye de rendre un membre de ces familles producteur pour qu'ils ne passent pas leur vie à attendre l'aide des associations, parce que
Parce qu'à un certain moment, il y a tellement de familles, etc. On aimerait bien que ces familles deviennent autonomes. On les aide avec du matériel, avec ce qu'il faut. S'il y a des formations, on peut les former. S'il y a du matériel, on peut leur acheminer du matériel. Donc, il y a des familles, oui, on les a aidées avec des machines à couture, avec du matériel pour cuisiner. Ils s'en sortent. Mais il y a d'autres qui, voilà, dont les conditions ne permettent pas. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas les capacités. Donc, vraiment, c'est au cas par cas. En tout cas, on est là pour aider. Et vous parvenez à réussir cette action d'autonomie pour ces personnes? Est-ce que réellement, quand l'hiver revient, vous les retrouvez plus dans ce circuit? En fait, pour l'autonomie, c'est pas vraiment pour les personnes des sans-abri, oui. Mais c'est surtout pour des personnes, des familles. Des familles, oui. Une femme qui a dont le mari est absent, il est mort ou bien il est malade, il peut pas travailler, donc c'est surtout pour ça. Mais les sans-abri, donc il faut un travail plus. Comme je vous ai dit, c'est des cas très, 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 très spéciaux. Donc, là, pour la majorité, malheureusement, même pour aller dans les centres, passer la nuit, ils refusent. Pourquoi est-ce que vous avez tenté de comprendre cette réticence? Pourquoi ils sont réticents par rapport à ces centres? Est-ce que parce qu'ils trouvent pas ce qu'il faut à l'intérieur? Est-ce qu'ils sont mal accueillis? Est-ce qu'il y a trop de monde? Quelles sont les raisons qui les poussent à ne pas aller s'abriter dans ces centres d'accueil? Parce qu'on les voit, même quand il fait très froid, ils préfèrent rester à l'extérieur. Oui, malheureusement, et même quand ils étaient dans ces centres d'accueil, on les a vus, ils étaient en train de frapper, c'est comme s'ils étaient dans une prison, ils voulaient sortir. Je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi, parce que les raisons diffèrent d'une personne à une autre. Il y a peut-être certains qui se sont habitués à cette liberté, en quelque sorte, on s'y met. Oui. Mais voilà, ce que je peux dire, c'est que même avec le partage d'expériences, même dans d'autres pays très très développés, enfin entre guillemets, comme les États-Unis ou autres, il y a ce problème aussi que les personnes sans-abri, là-bas, il y a même des personnes qui travaillent la journée et le soir, elles sont dans la rue. Hein. Donc ça ne veut pas dire que. Donc je ne sais pas, là, c'est peut-être les sociologues et les psychologues et les spécialistes qui pourront mieux répondre à cette question-là. Mais quand vous leur posez la question, qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi ils ne veulent pas y aller? Est-ce qu'il y a une réponse bien précise ou non? Non. Très bien. Est-ce qu'on pourrait savoir donc les priorités de l'association et comment, très important, vous parvenez à convaincre les citoyens de donner de leur temps, parce qu'il y a des bénévoles, vous avez besoin de bénévoles avant tout, et de donner aussi les moyens qu'il faut pour venir en aide à ces catégories démunies? Bien sûr. Donc déjà, le premier point, c'est que Nesl Khair Algérie, c'est juste un groupe de bénévoles. On n'est pas une association. Donc on n'a pas. C'est vraiment des bénévoles. Donc c'est du bénévolat depuis 2010. Après, pour convaincre les bénévoles, j'ai envie de dire, on n'a pas à les convaincre parce que c'est un geste. C'est eux qui sollicitent. Donc il y a des personnes qui voient nos actions sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui assistent avec nous dans les événements. Et une fois qu'ils viennent, et ça leur plaît. Ils ont envie de revenir. Donc en fait, ça dépend de la personnalité de ces personnes-là. Donc, en quelque sorte, on les appelle quand on organise une action, on annonce, donc on annonce tous les détails qu'il faut et les personnes viennent naturellement. Donc, pour ça, les gens, ils sont en général, on n'a pas de problème avec ça. Oui. Mais voilà, même pour la continuité, c'est comme une drogue, vous savez. Donc, une fois que vous commencez, après, vous ne pourrez pas s'arrêter. Donc, on est là depuis 2010. Et on avait, c'est 14 ans quand même en arrière. Et c'est comme une drogue dure. Donc, le bénévolat, on n'arrive plus à s'en passer, heureusement d'ailleurs. Et après, donc, la deuxième partie de la question, s'il vous plaît. C'est pour les dons financiers, d'ordre financier, moyens. Oui. En fait, nous avons une politique, c'est qu'on n'accepte que des dons. Des dons sous format matériel. Très bien. Pas financier, pas d'argent. Donc, en fait, c'est pour une question d'honnêteté, de transparence. Et les gens, je pense, sont plus réceptifs quand il s'agit de dons matériels. Oui, absolument. Donc, on est là depuis le premier jour, c'est la transparence totale. Voici vos dons, donc on a besoin de ça. On a besoin de couverture, de tel kilo de nourriture. Quand on a, par exemple, une sortie pour les SDF, on publie le menu, la liste des besoins selon le menu. Oui. Et donc, pour combien de, tel nombre de personnes. Et là, les gens, chacun, ils contribuent avec
qu'il peut. Une personne avec de l'huile, l'autre avec du pain, l'autre avec de l'eau, etc. Et on, bien sûr, on documente l'opération avec des photos, des vidéos. Donc les gens, ils voient où partent leurs dents, ils sont là bienvenus. Ils font le suivi à travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux, même sur le terrain. Donc très bien. Toute personne est là bienvenue, c'est ouvert à tout le monde. Donc de venir participer, distribuer avec nous, au contraire, on est très contents et c'est ce qu'on cherche. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Et vraiment, les gens, ils nous ont toujours vraiment éblouis par leur générosité durant toutes ces années-là. Des fois, même on publie à la dernière minute, des fois pour des quantités énormes. On se dit qu'on n'aura pas le temps, on n'aura pas les dons. Mais il y a toujours plus de dons que ce qu'on demande. Vraiment toujours, ce qui nous permet de distribuer plus, de donner plus. Donc pour ça, on n'a pas de problème. Alors dites-nous, Madame Boumaour, oui. Quels sont vos objectifs pour cette fois-ci? J'imagine qu'à chaque fois, vous fixez des objectifs en matière de, en termes de repas chauds à distribuer, de couverture. Quels sont les objectifs? Et puis, on vous ouvre l'antenne et vous pouvez faire votre appel aux dons aux auditeurs qui vous écoutent ce matin. Merci. Donc vraiment notre objectif, on n'a pas d'objectif par exemple de distribuer 1000 repas ou 2000 repas, mais vraiment de faire le maximum. Donc si on organise par exemple une sortie chaque semaine, chaque 15 jours durant toute la saison hivernale, c'est ça notre objectif, c'est de faire le maximum qu'on peut faire. C'est vraiment ça. Donc on essaie d'organiser le plus de sorties possibles. Selon les dons qui sont disponibles. Donc, on essaye de lancer une opération sortie une semaine, peut-être c'est trop court des fois, mais au moins une fois par quinzaine, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur Alger. Oui. Donc, parfois, comme on dit, c'est complet. Donc, quand on demande l'autorisation, etc., on nous dit que voilà, tel jour. Donc, on essaye aussi de coordonner avec les autres associations pour qu'il n'y ait pas un jour trois ou quatre associations qui distribuent des repas et le lendemain, il n'y a pas, il y a personne qui distribue. Très bien. Donc, il y a une coordination avec les associations. C'est une bonne chose. Avec toutes les associations et les groupes bénévoles. Donc, il y a un groupe qui est créé donc, pour les associations qui sont actives lors de cette saison. Et on essaye de s'organiser, de dire que voilà, nous, c'est le lundi, vous, c'est le mardi. Comme ça, on est sûr qu'il y a une rotation dans la semaine pour que voilà, toutes les associations puissent distribuer, que les personnes sans-abri bénéficient des repas tout au long de la semaine. Donc voilà, donc en général c'est ça, et par rapport au village aussi, donc on essaye d'organiser une ou deux sorties par rapport au village, donc vraiment essayer d'emmener le nécessaire pour tout le village. En fait, parce que vraiment c'est des villages qui vivent dans des conditions vraiment extrêmement, extrêmement difficiles, qui n'ont pas de gaz, qui n'ont même pas les moyens pour s'acheter du gasoil, pour allumer même les chauffages qui marchent avec le gasoil et tout. Donc vraiment qui utilisent des moyens très, très, très rudimentaires pour se réchauffer. Donc on essaye de leur apporter. Est-ce que vous les sensibilisez justement sur les aides aujourd'hui qui sont disponibles et qui sont octroyées par l'État? Est-ce qu'ils sont sensibilisés par rapport à cela ou ils ne bénéficient d'aucune aide parce qu'ils ne savent pas qu'il y en a une? Ils sont tellement isolés qu'ils pensent qu'ils ne savent pas. Voilà, ils sont vraiment, c'est des villages très isolés qui vivent encore dans des maisons avec de la terre. Donc c'est vraiment on part dans des villages très, très, donc ils sont enclavés, donc je pense pas qu'ils sont au courant de ces dispositifs-là. En tout cas, pour les dons, est-ce qu'on doit vous suivre sur vos pages, sur les réseaux sociaux? Oui, très bien. Voilà, donc toute personne qui souhaite aider et apporter son aide, qui souhaite venir participer, donc elle n'a que nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit, on a une page, un groupe sur Facebook, sur Instagram, donc Nesl Khair Algérie, il suffit juste de taper le nom Nesl Khair Algérie, et elle pourra voir toute notre activité, nos actions, participer, voir ce qu'on a fait, etc. Et donc, on appelle toute personne à contribuer pour rendre cet hiver plus doux et voilà, moins froid, que ça soit moins froid sur le plan température, mais aussi pour que ces personnes ne se sentent pas seules et qu'elles se sentent que voilà, il y a une communauté, il y a d'autres personnes qui se soucient d'elles, qui leur apportent de la chaleur humaine. Voilà. C'est très, très important, justement, pendant cette période. Et puis, pour ces personnes, il ne s'agit pas qu'une aide, d'une aide financière seulement, mais comme vous le dites, de cette chaleur humaine qu'on pourra leur apporter. Voilà. Merci beaucoup. Madame Amina Boumaour de Nesl Khair Al-Jazair, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous laisse donc finir vos engagements que vous avez pour cette journée. Et merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous pour cette belle émission et bonne continuation. Bonne journée. Merci.
Ça vous concerne, se poursuit évidemment sur les ondes d'Alger Chin 3. Nous allons continuer à parler de cette aide, de ces actions qui sont menées, notamment par le Croissant Rouge algérien avec Amel Abbas qui est avec nous dans les studios d'Alger Chin 3. On revient juste après cette petite pause musicale. À 10h36 minutes, ça vous concerne, poursuit le débat et poursuit donc l'éclairage autour des actions et l'aide qui est octroyée donc aux personnes nécessiteuses, aux personnes dans le besoin, aux sans domicile fixe. Comme vous le savez, l'hiver est à nos portes et ces actions sont déjà prêtes pour de nombreuses associations, mais aussi pour le Croissant Rouge algérien qui a établi ses objectifs pour cette période. Nous avons avec nous Madame Amel Abbas, donc du Croissant Rouge algérien. Nous avons déjà abordé quelques questions par rapport au déroulé du programme du Croissant Rouge. Alors comment se déroule concrètement sur le terrain votre travail? Comment vous arrivez à dispatcher les équipes? Vous êtes quand même sur 58 wilayas et vous parvenez donc à apporter aide et assistance à ces personnes qui sont des familles parfois dans le besoin et puis des sans domicile fixe. Alors, sur le terrain, nos équipes mettent en œuvre une logistique bien coordonnée pour répondre aux besoins immédiats de ces populations, de ces personnes, et garantir une couverture maximale. Donc, on travaille sur plusieurs aspects, donc, à savoir la distribution régulière et les tournées nocturnes. Donc, nos équipes et nos bénévoles qui sont constitués de bénévoles, de médecins, sont équipés aussi de navettes mobiles, oui. Réalisent des tournées nocturnes dans les zones à forte fréquentation des sans-abri. Oui. Donc, pour distribuer les repas chauds, donc des couvertures, des vêtements, et aussi pour la prise en charge des personnes qui souffrent de maladies. C'est une assistante médicale. Et assistance médicale, pardon, que vous apportez. Exactement. Oui. Donc, cette approche nous permet de toucher directement les personnes qui n'ont pas accès au centre d'accueil. Et aussi, on a des points fixes de distribution. Donc, en parallèle de ces tournées nocturnes et mobiles, nous avons mis en place des points de distribution fixes dans plusieurs wilayas. Donc, ici à Alger, on a Draria, donc où les personnes dans le besoin peuvent venir chercher les repas. On a aussi des caravanes solidaires pour les régions isolées, pour les zones éloignées et les populations nomades. Il est à noter que l'année dernière, le Croissant Rouge a distribué plus de 10 500 colis alimentaires, ce qui est important, et cette année, on vise encore plus. Ces caravanes solidaires sont chargées de denrées alimentaires et de couvertures et de vêtements. Donc, je souligne aussi que l'année dernière, on a distribué plus d'une tonne de vêtements et aussi environ 2000 couvertures et 2000 matelas aussi. Donc, on travaille aussi en collaboration avec la DAS, avec les services de sécurité, avec les services de sécurité, avec la protection civile. Exactement, la protection civile, merci. Donc, pour justement pouvoir coordonner et être plus efficace sur le terrain. Donc, pour la deuxième partie de votre question, concernant comment on peut coordonner, oui, dans les wilayas, donc nous avons un réseau, donc des comités bien structurés au niveau des wilayas. Donc, chacun sait ce qu'il fait et comment il le fait. Pour les points de repère que vous avez donc mis en place, vous avez dit à Alger Cédraria, où est-ce qu'on pourrait se renseigner sur les autres points dans les wilayas? Est-ce que c'est en visitant votre site? Comment on peut le faire? Donc, chaque comité a sa page. En tout cas, c'est identifié. Exactement, oui. Nous avons commencé, déjà hier, nous avons commencé par deux campagnes, une à Oran, où on a distribué des repas chauds, et une autre ici à Mahalma, sur Alger. On a distribué aussi des repas chauds, des couvertures pour les SDF et aussi les migrants subsahariens. D'accord, donc ça a déjà commencé. Exactement. Il faut rappeler justement, très important, que le Croissant Rouge algérien ne fait pas
la distinction entre les émigrés et évidemment les nationaux qui sont dans le besoin. Vous faites l'action, une action similaire pour les deux. Le travail humanitaire ne connaît pas de nationalité. Très bien. Alors, nous allons donc revenir sur d'autres questions, évidemment. Quelles sont les priorités pour le Croissant Rouge algérien? Est-ce que c'est des catégories? Est-ce que, par exemple, quand vous êtes sur une action et que vous avez tant de plats à distribuer, est-ce que vous allez prioriser certaines catégories sur d'autres ou non? C'est un travail que vous faites avant, puis vous parvenez à distribuer à tout le monde, le même jour, ce dont ils ont besoin. Comme j'avais mentionné tout à l'heure, qu'on essaye de couvrir chaque jour le maximum de plats, des repas chauds. Donc l'année dernière, nous avons touché plus de 1500 personnes par jour. Par jour. On continue sur cette approche et du coup, on ne fait pas de distinction. Toute personne dans le besoin est la bienvenue. Toute personne à travers nos sorties nocturnes, on identifie les personnes dans le besoin. Et bien sûr, quand il vous arrive d'augmenter en fait vos capacités en faisant vos sorties nocturnes, vous vous apercevez que finalement il y a plus de personnes qui sont dans le besoin ou moins pour un peu coordonner votre action, c'est bien ça? Exactement, et aussi en coordination avec des associations aussi. Très bien. Donc pour faire un travail coordonné et équilibré, voilà. Et vous travaillez avec beaucoup d'associations. Tout à l'heure, Madame Boumaour nous a dit qu'il est impossible pour nous de travailler, par exemple, trois associations à le même jour, par exemple, un mardi, pour donner un plat chaud. Donc, ça fera beaucoup de plats chauds à distribuer par plusieurs associations, alors qu'il fallait peut-être dispatcher pendant toute la semaine. C'est un travail que fait Nassel Khair, c'est un travail, j'imagine, que fait aussi le Croissant Rouge algérien. Exactement, et à travers notre nonavette mobile, oui. on peut toucher des personnes qui ne sont pas touchées par les autres associations. Voilà, et du coup, oui, effectivement, on travaille en synergie, il est important de le faire. Comme je vous ai dit aussi, on travaille avec la DAS aussi pour offrir un abri temporaire pour les personnes sans abri, bien sûr, pour ceux qui veulent et acceptent d'être abrités. Voilà. Très bien. Les centres domiciliaires fixes, justement, difficile pour vous de les convaincre. Même Madame Boumaou tout à l'heure nous a expliqué qu'il était difficile pour l'association de convaincre ces personnes à aller s'abriter dans des centres destinés à cela. C'est la même chose, c'est le même constat que vous faites? Oui, exactement. En fait, convaincre les personnes sans abri de rejoindre les centres d'accueil peut parfois être très délicat. Pourquoi? Parce que ces personnes tiennent à leur liberté et elles sont réticentes à l'idée de se retrouver dans des structures et hébergement plutôt en structure. Donc, nous avons des bénévoles qui utilisent une approche plutôt humanitaire et respectueuse, et ils utilisent le dialogue pour essayer de convaincre ces personnes sur les avantages qu'ils vont avoir dans les centres, à savoir un endroit sûr, chauffé, des repas réguliers et chauds. Mais quand les personnes refusent, on respecte et on offre une réponse et immédiate, et des repas chauds, des couvertures dans ce sens. Voilà. Et souvent, vous parvenez à les convaincre ou pas du tout? C'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. Est-ce qu'ils évoquent des raisons ou c'est juste cette sensation d'être étouffé dans un centre? Juste, ils tiennent à leur liberté, donc généralement c'est ça. Très bien. Il est 10h44 sur Alger Chin 3. Ça vous concerne, je rappelle, s'intéresse ce matin à ces personnes qui sont dans le besoin. C'est sans abri, c'est sans domicile fixe. À l'approche de l'hiver, vous savez, les journées sont froides et pluviales. Il est nécessaire d'apporter aide et assistance à ces personnes. Et nous avons avec nous du Croissant Rouge algérien, Madame Emel Abbas. Nous avions tout à l'heure avec nous Madame Boumaour du groupe Nassel Khair. Nous reviendrons dans quelques instants.
Et à 10h49, nous sommes de retour pour vous parler du sujet de ce matin. Nous avons parlé en première partie donc de la nécessité de ces programmes et ces actions qui sont menées sur le terrain par le mouvement associatif, par le Croissant Rouge algérien pour venir en aide aux sans domicile fixe et aux familles les plus démunies et nécessiteuses. Vous le savez, l'hiver est à nos portes et des journées pluvieuses et un froid nous attend pendant cette période. D'où la nécessité de prendre en charge ces personnes qui sont dans le besoin. Nous avons évidemment détaillé le programme du CRA qui est déjà établi et qui a déjà commencé hier, n'est-ce pas Madame Abbas, dans deux communes. Vous avez déjà commencé Exactement. Le programme, vous avez commencé la distribution de repas. L'année dernière, c'était 1500 repas chauds par jour qui étaient distribués. Cette année, vous visez le même ou plus chiffre. Donc, est-ce qu'il est possible de savoir aujourd'hui comment le CRA parvient à s'organiser et de façon à, donc, à acheminer toutes ces aides? Alors, comme je l'ai expliqué, j'ai déjà évoqué tout à l'heure à travers la préparation donc, oui. dans les centres des repas chauds et puis les acheminer aux familles à travers nos navettes mobiles et aussi nos points fixes de distribution, aussi à travers la collaboration avec les différents secteurs, à savoir la DAS et les services de sécurité et la protection civile, aussi à travers nos points locaux. Oui. Qui s'organise très bien pour la distribution de ces repas, et à travers aussi nos caravanes solidaires donc, pour la distribution de denrées alimentaires pour les personnes, les familles vulnérables. On va dire que je note encore une fois que l'année passée, on a dépassé les 10 500 colis alimentaires distribués. Pour les colis alimentaires, vous faites donc attention au fichier qui est disponible et qui est mis en place par la DAS ou non? Vous faites nous aussi... avons donc oui, oui, mais aussi nous avons notre fichier, donc le fichier du CRA, justement donc à travers notre plateforme, nous avons déjà nos fichiers des personnes qui sont enregistrées. Pour bénéficier justement de ces colis alimentaires. Que vous enregistrez vous-même, parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas accéder à des sites pour aller s'enregistrer et s'inscrire. Non, non, ils peuvent se présenter dans nos bureaux aussi pour s'enregistrer et pour bénéficier de ces aides. Voilà. Très bien, oui. Voilà, aussi on s'organise à travers la mobilisation massive des volontaires qui est importante aussi, donc les bénévoles, les secouristes, donc les médecins aussi qui sont importants donc, à travers le pays pour aider à la distribution et participer aux campagnes de sensibilisation aussi. Voilà, et comme j'ai cité, c'est à travers aussi le caravane et les tournées mobiles. Est-ce que vous faites aussi de la distribution de médicaments pour les personnes qui ont ce besoin? Je pense aux diabétiques qui doivent avoir un traitement, une maladie chronique, qui doivent suivre ce traitement quotidiennement. Exactement. L'année passée, nous avons distribué plus de 40 000 boîtes d'insuline aux personnes qui nécessitent ces médicaments, et on prévoit aussi cette année la même chose à l'aide de nos partenaires et les médicaments pour les personnes qui nécessitent une prise en charge médicale aussi. Alors comment aujourd'hui peut-on aider le Croissant Rouge dans ses missions? Est-ce que vous acceptez les dons? Est-ce que c'est l'État qui engage une enveloppe annuelle pour engager toutes ces actions que vous avez expliquées tout à l'heure, que vous menez sur le terrain? Comment ça se passe? Alors la contribution des citoyens est essentielle pour renforcer l'impact de nos actions et apporter un soutien durable. Donc comment peut-on aider le CRA, le Croissant Rouge algérien? C'est à travers, c'est en,
à travers les aides en nature surtout. Donc les citoyens peuvent aider en offrant des vêtements, des couvertures, des denrées alimentaires. Ces dons vont être distribués directement aux personnes dans le besoin. Aussi, j'insiste beaucoup sur les aides en nature. Donc, les vêtements usagés, ils peuvent se présenter dans nos bureaux et fournir ces aides. Et aussi, en rejoignant nos équipes de bénévoles, ils peuvent s'inscrire comme bénévoles pour participer à la distribution de repas, à nos campagnes de sensibilisation, et aussi et surtout à sensibiliser, c'est-à-dire en parlant autour de soi des actions de CRA, des campagnes hivernales. Chacun peut contribuer à sensibiliser les personnes sur la situation des sans-abri, les familles vulnérables et qui peuvent aider pour ces dons en nature surtout. Aussi, on a notre compte CCP pour ceux qui veulent faire des dons. Apporter leur contribution financière Exactement. au Croissant Rouge algérien. Mais je souligne que le Croissant Rouge favorise les Les dons en dons en nature. nature. Exact. Quand est-ce que se fera donc cet appel à la mobilisation des dons? Est-ce que ça a commencé? Est-ce que c'est une date bien précise? Les dates, les dons, on les reçoit sur l'année parce que le travail du CRA ne s'arrête pas et ne se limite pas qu'à la saison hivernale. Les dons sont ouverts et les portes du CRA sont ouvertes toute l'année parce que c'est un travail, c'est notre cœur de métier, c'est aider les gens, venir en aide. Donc, c'est un besoin constant pour nous. Alors, pour ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'ils pourraient acheminer éventuellement leurs dons et puis peut-être aussi leur dire que tous les dons sont les bienvenus, peu importe leur taille, peu importe leur quantité, Exactement. vous acceptez les petits comme les grands dons. Oui, bien Oui. sûr, on accepte les petits comme les grands. Toute aide est la bienvenue. Ils peuvent se présenter au siège du CRA, au boulevard 5, comme à Blida. Un peu Voilà, partout sur le un peu territoire partout. national. Ils Exactement. peuvent aussi se renseigner sur votre site. Exactement, oui. Donc, Voilà. il est possible d'avoir ces informations sur le Sur site le du site Croissant Rouge du Croissant algérien. Rouge algérien, voilà. Le www.cra.dz. Et ben, l'appel est lancé, en tout cas pour ceux qui nous écoutent ce matin. N'hésitez pas à apporter votre aide. Peu importe donc la dimension de cette aide, elle sera précieuse et importante pour le Croissant Rouge algérien, mais aussi pour les associations qui œuvrent sur le terrain, aider les personnes dans le besoin, les personnes nécessiteuses et les sans domicile fixe. Merci à vous de nous avoir suivis et prêté attention au cours de cette émission. Merci à Hakim Ben Moussa qui est à la réalisation, à nos invités. Je rappelle que nous avions avec nous Madame Amel Abbas du Croissant Rouge algérien et puis nous avions aussi en ligne avec nous Madame Amina Boumaour du groupe caritatif Nassel Khair. Quant à nous, on vous retrouve demain à la même heure pour vous parler d'un nouveau sujet, d'un autre sujet évidemment. À demain et avec toujours donc Hakim Ben Moussa à la réalisation et je serai ravie également de vous retrouver, de vous accompagner.